jungle. Wonderful moment in the presence of the Lord. Un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Lift up your hand and say thank you, Lord. Lève ta main et dis merci, Seigneur. I begin to thank God. Say, oh mon Dieu, je te dis merci. Et commence à chanter. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci, oh mon Dieu, je te dis merci. Merci, papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci, Jésus. Papa, tout ce que
Seigneur dit, every living thing here on earth, que tout ce qui vit sur la terre, praise me, doit le louer. Amen. Are you a living thing? Est-ce que tu es une personne vivante? Do you carry life in you? Est-ce que tu portes la vie en toi? I want to see you shout for Jesus Christ. Alors, je veux que tu cries pour Jésus. Tell the neighbor, dis à ton voisin, voisin, let the living praise the Lord. Que les vivants louent le Seigneur. Neighbor, let the living praise the Lord. Let the living praise the Lord. In Jesus' name. Au nom de Jésus. As you were praising God now. Et pendant que tu vas être en train de louer Dieu, it is a testimony you are already giving. Alors c'est un témoignage que tu seras en train de donner. Are you ready to praise the Lord? Est-ce que tu es prêt pour as le as you are praising God now is a testimony. Je dis que pendant que tu loues Dieu maintenant, c'est un témoignage que tu as. If you believe it, can I hear louder? Amen. See, I serve a miraculous God. Dis, je serve un Dieu de miracles. I serve a miraculous God. Neighbor, I want to dance for Jesus Christ. I want to praise my God today. I serve a God who is powerful. Yeah.
Lord Jesus Christ. Applaudissons pour Jésus. Tell the neighbor, what a wonderful blessing that today I am in this event. I am in this event. This glorious event from heaven. Blessing my soul. Blessing my spirit. And blessing my flesh. In Jesus' name. Clap for Lord Jesus Christ. Let all of us to be here. Que tous know one thing. Puissons-nous savoir une chose. We are not here by our own doing. Nous ne sommes pas ici par notre propre volonté. Divinely. C'est divinement. Our Lord Jesus Christ made it to be possible. Le Seigneur Jésus l'a rendu possible. Amen. Amen. Clap for Lord Jesus Christ. Let us bow before the King of Kings, Lord of Lords, and we honor you. Seigneur, nous t'honorons. Maker of heaven and this earth, toi qui as fait le ciel et la terre, we give you all the glory. Reçois toute la gloire. And adoration, we praise your holy name. L'adoration, nous louons ton nom. That there is no one like you. Papa, il n'y a personne comme toi. You don't do like man. Tu ne fais pas comme les hommes. You do it as you are. Tu fais ça selon ta volonté, comme tu es. Because you are God forever. Parce que tu es Dieu à jamais. Clap for Jesus Christ. Applaudissons pour Jésus. Clap for Jesus again. Applaudissons encore pour Jésus. Clap for Jesus Christ. Encore une fois de plus. Father, thank you. Merci Seigneur. You are honored. Tu es honoré. Forever. Pour toujours. In your mighty name, Lord Jesus Christ, I pray. Au nom de Jésus, je prie. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Rise up, people of God. Lévons-nous, s'il vous plaît. And let us rapidly get into serious matters. Et puis entrons dans les choses sérieuses. Open your Bible, visitant. Asseyez-vous, ouvrez vos Bibles. Let's start getting into serious matters. Entrons dans les choses sérieuses. Amen. Amen. Let us start getting into serious issues. Stay on the serious matters. Dis à ton voisin, les choses sérieuses ont commencé. Amen. Amen. Let's open our Bible, book of John. Dans le livre de Jean. John is in the New Testament. C'est dans le Nouveau Testament. John is in the New Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Tout le monde ici, je veux voir vos Bibles. Soulevez les Bibles en haut. I want to see your Bibles here, please. Ah, soulevez ta Bible avec de joie. C'est un regard en bas. Où voulez prendre la Bible en bas? Soulevez vos Bibles avec de joie. Nous devons enlever la Bible que dans le pied. Ou comment tu prends ton Bible? On garde la Bible dans le sac, ta passe dans le pied. Enlève vite. Tell your neighbor, make sure you have a Bible with you. Assure-toi que tu as une Bible avec toi. Without this Bible, sans cette parole, sans cette Bible, we have no life. Nous n'avons pas de vie. Amen. Amen. Clap for Lord Jesus Christ. Applaudissez-vous Jésus. Let's open our Bible, book of John. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. John chapter 14. Jean le chapitre 14. Verse 6. Et le verset 6. Jesus told him. Jésus lui dit. Who spoke? Qui a parlé? Who spoke? Qui a parlé ici? Who spoke? Qui a parlé? Jesus told him. Jésus lui dit. I am the way. Je suis le chemin. Number one, I am the way. Numéro un, je suis le chemin. Number two, the truth. Numéro deux, la vérité. Number three, the life. Et numéro trois, la vie. No one can come to the Father except through me. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. I read it to you again. Je vais encore lire. John chapter 14. Jean, le chapitre 14. Verse 6. Je suis au verset 6. Jesus told him. Jésus lui dit. The only son of God. Le seul fils, l'unique. The lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Judas. At the same time is the lamb of God. Et en même temps l'agneau de Dieu. It's not contradicting. Il ne se contradit. He is the lion defending the tribe of God's people. C'est le lion qui défend la tribu du peuple. At the same time he is the lamb of Et au même moment, il est aussi l'agneau de Dieu.
said, our Lord Jesus Christ said, I who? Il a dit, moi, qui? I am the way number one. Je suis le chemin. That means here on earth. Ça veut dire que sur la terre, our pathway is who? La I am the way. Le chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin. Then the reality of life. Et la réalité de la vie. Number two, never. Numéro deux, quoi? The reality of life, because truth is the reality of life. La vérité, parce que la vérité est une réalité de la vie. Number three. Numéro trois. Life himself is me. La vie même, c'est moi. It's like you're not getting me here. Comme si vous ne me comprenez pas encore. No man on earth. Aucun homme sur la terre. Aucun. No human being on earth. Aucun être humain sur la terre. Can go to God. Ne peut aller vers Dieu. Without passing through me, Jesus Christ. Sans passer par moi, Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Applaudissons pour Jésus. I feel like I should talk in French, but I'm afraid that some words might be missing. J'ai l'impression que j'ai envie de parler en français, mais j'ai peur que mon langage peut me manquer un peu. Jesus spoke on earth here. Jésus a parlé quand il était sur la terre. I. Moi. Did he ask anybody? Est-ce qu'il a demandé? With authority. I. Avec autorité, moi. I know authority will come upon you today. Je sais que l'autorité viendra sur toi aujourd'hui. Children of God, enfant I know authority will come upon somebody today. Je sais que l'autorité vient sur toi aujourd'hui. With that authority, avec cette autorité, you can never live a good life. Sans l'autorité, tu ne peux pas faire avoir une bonne vie. Authority stirs you up to live a successful life. C'est l'autorité qui donne la capacité de vivre une vie réussie. Those that are not authority are under oppression. Ceux qui n'ont pas l'autorité sont sous l'oppression. When you are oppressed, quand tu es oppressé, you live under life. Tu es sous, tu vis. You live below life. Tu vis. You can never be at the surface. Tu ne peux jamais être en surface. The powers of oppression are upon you. La puissance des oppressions. You are deprived from real life. Tu es déprivé, privé de la vie normale. Until you start being authoritative. Jusqu'à ce que tu reçoives l'autorité. When they are coming towards authority. Quand on vient vers ton territoire. You know that that is that authoritative man. Alors on va savoir que voici cet homme avec l'autorité. I refuse to be challenged. Je refuse d'être dépassé. I refuse to be suppressed. Je refuse d'être oppressé. I refuse to be deprived from my own life. Je refuse d'être dépressé dans ma propre vie. I have been given the authority. J'ai reçu l'autorité. To stay on top of life. When the Bible said, trample upon serpents and snakes and overcome them. Overcoming means living on top of life. He spoke with authority. Il a parlé avec autorité. I am the way. Il dit, je suis le chemin. Any man on earth. Tout homme sur la terre. If you don't know where you're going to, si tu ne sais pas où tu pars, I grab your hand. Alors je prends ta main. I am the way. Come this way. Je suis le chemin. Viens par ici. Come. Every man on earth. Tout homme sur la terre. I am the way. Je suis le chemin. Come. Viens. I want to show you the way. Je vais te montrer le chemin. When Jesus pulled your hand. Quand Jésus tient ta main and he show you the way, et qu'il te montre le chemin, you can never miss your way in tu this ne peux life. Jamais te perdre dans cette vie. Never. Tu ne peux jamais t'égarer. Because any obstacle along your way, parce que tout obstacle, tu dois respecter le King of Kings. Tu dois respecter le roi des rois. I am the way, in other words. I am the way leading you to the reality of life, not shadow life. The life that is truth. The life that can never be compared to another. The life that is authentic for you. For you alone. For you. La vie authentique of the past. Dans le passé, families were held captive. Les familles étaient tenues en captivité. And Satan knew well. Et Satan savait très bien. That if he allow human being, que s'il laissait les êtres humains, all human beings will follow the way of Jesus. Tous devaient suivre le chemin de Jésus. So Satan came on earth. Donc Satan est venu sur la terre. And created different ways for people. Et a créé d'autres chemins pour les gens. Some of their ways are planted in their homes. Certains de leurs chemins là, c'est planté. Family altars.
les hôtels dans les familles. And that is the way for many people until you are delivered. Et c'est ça le chemin pour plusieurs familles jusqu'à ce que ce sont ces hôtels là qui leur ont dit le chemin. Managing your life. Ces hôtels qui gèrent leur vie. They come and plant it in your family. Ils viennent semer ça dans la famille. And their spirit in that order. Et il y a les esprits dans ces hôtels. The one deciding what you receive in life. C'est ça qui décide ce que tu reçois. Whether you will marry or not. Si tu dois te marier ou pas. Whether you will give birth to children or not. Si tu dois accoucher ou pas. The amount of money you need to have. Le genre d'argent que tu dois recevoir. The entire life management is in their hands. Toute ta vie est cachée dans cet hôtel là. Our Lord Jesus Christ saw it. Mais Jésus avait vu cela. And landed on earth. Il est venu sur la terre. I have come. Il dit, je suis venu. I am known the way. Je suis le chemin. The truth. La vérité. Am I talking somebody here? Je parle à quelqu'un. I don't care which kind of way was already met in my family. Je m'en fous quel genre de chemin. But I know now the new way. Mais je connais maintenant the new way is Jesus Christ of Nazareth. C'est Jésus Christ. The new way is Jesus Christ of Nazareth. Le chemin, c'est Jésus Christ de Nazareth. He said what? Qu'est-ce qu'il a dit? I came on earth. Je suis venu sur la terre. They that believe in me. Ceux qui croient en moi. Ha! I have given them the power. Je leur ai donné la puissance. Listen. Écoutez. For you to change your way, you need power. Tu ne peux that means something must happen to disconnect you from the old way to the new way. Tu ne peux changer l'ancienne voie que par la puissance. I have given you the power. Je t'ai donné la puissance. To become sons of God. De devenir les fils de Dieu. Not by biological birth again. Pas la naissance biologique. But by the spiritual birth of God. Mais par une naissance spirituelle de Dieu. God saw all this and came to change our way, even our birth. Dieu avait tout vu. Il est venu changer notre chemin, y compris notre naissance. I refuse to be born from this earthly family. Je refuse qu'on dise que je sois né. That is the only way you will be saved from ancestral altars. Refuse that blood and you rebuke it. Refuse ce genre de naissance. I don't carry the blood of the world again. Je ne porte plus le sang du monde. I don't carry the blood of my biological father or biological mother. Le sang de mes parents. I am carrying a new blood. Je porte un sang. I carry the new blood. Je porte un sang. I carry the blood of Jesus. Je porte le sang de Jésus. Here with a new covenant. Avec une nouvelle alliance. A covenant of better promises. Alliance de la meilleure. I must marry. Je must prosper. Je dois être bien dans la vie. When I'm hearing the good news, I must be good. Quand j'entends les bonnes nouvelles, je dois être bien. My mentality must change. Ma mentalité doit changer. What is happening to others, it cannot come to my own territory. Ce qui arrive aux autres ne va même pas trépasser mon territoire. This is how you become arrogant in the spirit. Alors c'est comme ça qu'on devient arrogant dans l'esprit. Write to pastors. Je parle aussi. You will sleep. I say write to pastors. Jusqu'au pasteur. You will sleep in the dream. Tu dors dans le rêve. You keep on seeing yourself back in your family compound. You are living in Bafoussam. You are from room. Tu te vois toujours dans la. You are from Kamba. Par exemple. But every night. Et tu you will see yourself back in your family. Mais chaque nuit étant à Bafoussam, tu te vois toujours dans ton village. You are in America. Tu es aux États-Unis. You keep on seeing yourself back in Momo. Et tu te vois toujours à Momo. Back in Bafoussam. Tu te vois toujours. Back somewhere. Why? Pourquoi? When the family altar sit to hold a meeting. Quand l'hôtel de la famille tient une réunion. Your name is mentioned. Ton nom est mentionné. That you belong to that altar. Que tu appartiens à cet hôtel. Come back. Reviens. Your finances in that altar. Finances, your children in that altar. Everything about you. Tout ce que and the Lord said, yes, I believe in me. Yes, I gave them the power. To become sons of God. Your name is not mine in that altar. Listen. Écoutez. They are counting people that were born from that family. On compte les gens nés dans cette famille. That have the bloodline of that family. Qui ont la lignée de I am not more in that bloodline. I am not in that bloodline. I am not of that family. You can call my name the way you want to call. Tu veux, tu but when you come in the spirit, I have a demarcation. The blood of Jesus is coming for me. Jesus. I am not carrying the blood of that family. I am carrying the blood of Jesus. Je porte le sang de Jésus maintenant. When you know all these things,
quand tu connais ces choses, you become authoritative in the spirit. Alors dans l'esprit tu reçois l'autorité. You refuse to accept situations. Tu refuses d'accepter les situations. Tu refuses carrément. Everything has been made good for us. Listen, tu as dit que bien begin to practice these things you are hearing. Commence à mettre en pratique ces choses. And the next thing is testimony. You don't need pastor to pray for you. Et la chose qui suit, c'est un every pastor, you don't need any other grace. These are the things you need to move forward. I am talking to you. These are the things you need to move forward. Voici les choses que vous devez apprendre pour avancer. I used to tell, there are many sons, I think maybe getting to 100 even. J'ai plusieurs fils, peut-être 100 même déjà. I used to tell everybody. Je le dis toujours. More than even, I cannot count. Il y a même plus de 100, je ne peux pas compter. National, international. Les enfants nationaux et I want to make it clear. Je veux leur faire ça clair. This life of total dependence on a human being. Be careful, it might make you not serve God well 100%. Cette vie là de dépendre totalement sur les gens. Faites attention, ça peut te faire tu ne serves pas. I can be the man watching over you, but you have a life with God. You do have, you have a life with God. Not that every morning afternoon, Daddy, man of God, what should I do? Didn't Christian, man of God, prophet, what should I do? You have to take a personal relationship with Jesus. Tu ne peux pas faire tous les jours, pasteur, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, papa, qu'est-ce que je fais? Non, tu dois avoir une relation personnelle. Take time, you go to prayer. My God, if you have called me, if I'm a believer serving you, show me your face. Ne dis pas, Seigneur, il m'a appelé. Si je suis un chrétien, non. Seigneur, montre-moi ta face. Time with God. Prends du temps avec le Seigneur. God is looking for those that will serve him with sincerity of heart. Dieu cherche des gens qui vont le servir avec un cœur sincère. Listen, the things of God is not more, you know, this kind of doctrine kind of thing. No. Les choses de Dieu ne sont pas doctrinales comme vous pensez. Doctrine leads to stagnation in the spirit. Amen à la stagnation dans le règne de l'esprit. But spirituality, mais la spiritualité, leads to total progress, rapid progress in the spirit. Apporte un progrès rapide dans l'esprit. Learn to be spiritual. Tell somebody, learn to be spiritual. Apprends à être spirituel. Dis à quelqu'un. Use only this one way. Utilise seulement ce chemin. And the only one way is what? Et ce chemin là, c'est quoi? C'est Jésus. When you use this one way, quand vous utilisez ce chemin là, as you are going on that way, l'unique chemin est que vous you will see your job there. Ça le rentre. Your divine wife is on that very way. Ta femme qui vit, everything is on that way. Tout ce que tu as besoin, that is why I say I am the way, and then life is on that way. And reality of life is on that way. I am the way, the truth, and the life. Tu so you choose that way. There is the reality on that path. Quand tu trouves ce chemin, il y a une réalité de la vie dans ce chemin. So, when you always come that I have seen my husband, I want to marry. Quand tu viens souvent que je veux mon mari, je veux me marier. I first celebrate with you. Alors moi j'applaudis d'abord avec toi. But I will ask you. Après je te demande. Have you prayed? Avais-tu prié? Have you prayed? Is this man my husband? Est-ce que tu as prié? Is this woman my wife? Est-ce que celle-ci c'est ma femme? Pourquoi? In times of challenges in marriage, dans les temps de difficultés, you need to know whether this man was your divine husband or your divine wife. Alors c'est là que tu vas savoir si c'était lui. If not, ou bien, you will be staggered. You will be staggering. Sinon tu serais en train de. And any man of us staggering with decision. Et toute personne, homme de Dieu qui. De you are a prey to Satan. Alors tu es une proie pour Satan. Spirituality is what? Hit it direct. Tell somebody. Spirituality is hit it direct. La spiritualité c'est de viser sa cible. Spirituality is hit it direct. La spiritualité c'est de viser la cible. When you stagger, quand tu doutes, it shows that you don't have a direction. Ça montre que tu n'as pas de direction. And as you are staggering, your faith cannot be strong. Et pendant que tu doutes, because you cannot decide. Parce que tu ne peux pas discerner. And as you cannot decide. Et parce que tu as décidé. Satan will decide for you. Satan va donc décider. He is very quick on that. Alors là, il est très rapide pour décider pour les gens. Satan va décider pour toi. It becomes very dangerous to stagger. Alors c'est très dangereux de douter. Bien de dandiner. Amen. Amen. And when you have not prayed. Et quand tu n'as pas prié, I'm not pray, I send you go. Alors moi je te renvoie, je dis va. You are coming to me. I can tell you what is there, but come to me. Je peux te dire, mais va. God has revealed that this is my husband. God has revealed that this is my wife. Tu as révélé que voici mon époux. Before we can continue, I'll tell you what is there now. Alors après, on peut causer. Men of God has arranged marriages for people.
Beaucoup d'hommes de Dieu ont arrangé les barrières. Et là aussi, Dieu dit, they have never even met before. This is your husband. Il dit, voici ton mari. I was praying. J'ai prié. And in the spirit. Et dans l'esprit. I don't want to go there. Non, n'entrons pas là-bas. I saw this lady shining on you. J'ai vu cette fille là qui brille. And you were married to her. Et toi tu t'es marié à elle. If you miss this woman, si tu manques celle-ci, you'll never have a wife again. Tu vas plus te marier. Some women say you will die. Certains disent que tu vas mourir. Begin to use God's name like that. Continue to jouer. You pastor, continue using God. When you think, say I think, don't say the Lord say. When you are thinking, thinking your thing alone, that will carry you to hell fire. Si c'est ta pensée, dis que c'est ta pensée. Ne dis plus que c'est Dieu. Ta pensée t'amène en enfer, tant pis. But you know what? Just to facilitate the cash and the material to come out, people must be frightened and enticed by God said. Alors souvent pour faire sortir l'argent, le matériel, alors tu effraies les gens en disant que Dieu a dit. And everybody now is afraid. Et maintenant tout le monde a peur. Who will you trust? Qui est-ce qu'on va faire confiance? What is happening? Qu'est-ce qui se passe? People, you are not supposed to be hated having the fear of God. Listen. Écoutez. People will have the fear of God. Les gens auront la crainte de Dieu. And when they have that fear, et quand ils ont la crainte, they humbly come to a place you know. They know you are a man of God. Ils savent que tu es un homme de Dieu. Then at the same time, au même moment, you use the name of the Lord in vain. Tu utilises encore le nom de Dieu. It is very painful to Almighty God. Alors ça fait mal au Dieu tout puissant. Very painful. Ça fait très mal. I wonder your way forward. Je I don't know what can happen forward when you do that. Je ne sais pas comment tu vas avancer quand you tu are planting a future that you will never ever like it. Tu es en train de mettre sur pied un futur que tu n'as jamais aimé. Je suis sérieux. God will coincer you freshman, say coincer. Dieu va te coincer quelque part. God will coincer you, not belong. Dieu va te coincer quelque part. Continue using God's name in vain. Continue à utiliser son nom en vain. If you think, say I think. Si tu penses, dis je pense. I want to give you some details. I know I'm talking to men of God here and believers. Je sais que je parle des hommes de Dieu et aux croyants aussi. Amen. Amen. There is this thing we must understand. Il y a cette chose que nous devons comprendre. It is not every time God speaks to you. Ce n'est pas chaque fois que Dieu te parle. Are you hearing? Yes. God talks to you when He wants. Dieu te parle quand lui il veut. The Lord has said. It then become like a fowl laying egg. The Lord has said. The Lord has said. The Lord has said. And when you are, even if God started talking to you and you are doing the way you are doing like that, scandalizing the voice of God in a wrong manner, God will not talk to you again. Et quand bien même Dieu serait en train de te parler, parce que tu as cette habitude là, Dieu ne va plus te parler. So incanted inside them. Certains vont même faire des incantations. Not ideas. And the ideas give birth to sin. You just say what you want to say. Ils vont nourrir des idées. Après, ils vont commencer à raconter du n'importe quoi. Because they have been seeing some miracles and things God is using you to do. Parce que tu as vu quelques miracles que Dieu t'a utilisé de faire. They have been seeing. Ils ont eu à voir le the things God has been using you to do. Certaines choses que Dieu a eu à faire. They are convicted that you are of God. Ils sont convaincus que tu es de Dieu. And by so doing, et en se faisant, they will believe whatever you say. Ils vont donc croire tout ce que but tu as which it was coming from you, not from God, et and pourtant, it can never stand. Et pourtant, ça venait de toi et pas de Dieu, et ça ne va pas tenir. I prefer God speak to you one time in a week, but effectively. Je préfère que Dieu te parle une fois par semaine, mais d'une manière efficace. Yes. I want you to remember souviens-toi when God spoke to Abraham about the promises and when God spoke to Abraham again. Rappelle-toi, but that voice took Abraham to that time. Rappelle-toi quand Dieu avait parlé à Abraham la première fois et quand il était encore revenu bien après. Amen. Amen. Please, s'il vous plaît. Allow yourself humble before the Lord. And God will use you. Laisse-toi humilier. The way he pleases him. Et il va t'utiliser comme lui il veut. Don't force God to talk to you the way you want. N'oublie or use you the way you want. Allow God to take his pattern he programmed for you divinely to use you the way you want. N'oblige pas Dieu à te parler comme toi tu veux. Mais laisse qu'il te modèle et qu'il te parle comme lui il veut. Because you are seeing God using another man of God like that. Parce que tu as vu Dieu utiliser un autre homme de Dieu comme ça. Are not the same. Les grâces ne sont pas les mêmes. People hurry too much. Les gens s'empressent beaucoup. And when you hurry, et quand tu es pressé, and you cannot do what God is using the other man to do, et que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu fait, you become a source of scandal.
Tu deviens une source de scandalizing men of God. Tu commences à insulting churches. Tu commences à insulter. Talking wrong about reality. Et tu parles mal. The Bible says, la Bible dit, be very careful. Que fais très attention. Sin, talking against the Holy Ghost, is very bad. Le péché parlant contre le Saint Esprit, c'est très mauvais. Is it what? It's not good. C'est très mauvais. Be humble. Let Father speak to you. Et que le Père te parle. That's all. C'est tout. There are Christians now who come to you, men of God, and introduce you to error. Il y a des chrétiens qui vont venir vers vous, hommes de Dieu, et vous êtes. Christians, don't force men of God to talk to you what God has not told them. Chrétiens, n'obligez pas l'homme de vous dire ce que Dieu n'a rien dit. Ne les forcez pas. Because you are there trembling, parce que vous êtes là, vous forcing the man. He's pressing him with gifts. Tu demandes les gifts et les cadeaux. He will talk to you that God has said. Fear of that. Fear of what? He might lose his position before you as a prophet of God. Parce qu'il craint qu'il peut perdre sa position devant toi comme un homme de Dieu. Eh, the man must do something. No? Ouais, il doit faire quelque chose. Eh? The man must. At least. Am I not a prophet? Am I not a man of God? Je suis pas un homme de Dieu. Ah. Non, mais so. N'est-ce pas? There are some. Madame. Sir. God has not said anything yet. Madame, monsieur, Dieu n'a encore rien dit. Man of God. Ah, homme de Dieu. No. God has not spoken yet. Oui, il n'a pas encore. Man of God, it's like this. I have a seat of 100,000. Homme de Dieu, c'est comme ça. I want God to talk in my matter. De 100,000, je veux que Dieu parle pour moi. Ma sister. Mama. Mama. I understand. Est-ce que tu comprends? Mama. Mama. You know, as you were just talking now, the Holy Ghost spoke. Le Saint-Esprit a parlé. Has Holy Ghost become money? Est-ce que le Saint-Esprit est devenu l'argent? He spoke. Il a parlé. As we were just talking, Holy Ghost spoke. The money spoke. C'est l'argent là, quand le Saint-Esprit, l'argent l'a parlé. And when you do like that, listen to the dangerous nature. Et quand tu fais comme ça, écoute. When you do like that, écoute. The team of God that was working with you. L'équipe de Dieu qui marchait avec toi. Will look at you. Va te regarder. And shake their head. Ils vont bouger leur tête. Very bad. Très mauvais. That man on earth has given his heart to material Satan and will not be patient again. Remember what happened. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Cet homme a donné son cœur. Il est impatient. What have I read about Balak and Balaam? Quel genre entendu lu? Quel y a lu de Balak et Balaam? The Lord spoke to the prophet. Dieu a parlé au prophète. Don't go. Ne pars pas. The administration gathered ministers and everybody. Pass to the back. Give to the back. Man of God. Homme de Dieu. Have you gone deeper? Est-ce que tu es allé plus profondément là? Let's go. I'm honored. Ah, je suis honoré. Allons-y. I'm honored. Let's ah, go. Je suis honoré. Allons-y alors. Satan knows very well. Satan sait très bien. The need of man. Le besoin de l'homme. And what can entice man? Et ce qui peut. But until you kill the flesh right down to zero. Mais jusqu'à ce que tu tues la chair, jusqu'à you cannot serve God well. Tu ne peux pas véritablement servir Dieu. Let whoever pack what or kind of car or whatever, talk money or whatever before you, never you be shaken. Que celui be qui shaken of what God is saying as a man of God. S'il veut dans la voiture ou n'importe quelle enveloppe, ne sois pas ému par ça. Mais ce qui doit être. Listen, écoute. Envelopes have robbed men of God away from the things of God. Les enveloppes ont détourné les hommes. You are just a representative now. Maintenant tu n'es qu'une figure. Taking you away from God's presence. Tu as levé de la présence de Dieu. Because you want to be a big church. Parce que tu vas avoir une. You want to ride in a big car. Tu veux conduire une grosse voiture. You want to carry big name. Tu vas avoir un grand nom. You want fame. Tu vas échouer. You want fame. Parce que tu veux la popularité. Am I talking about you? Endurance. L'endurance. I pray for somebody who has a contract of 52 billion, not million, billion. Je prie pour quelqu'un qui a eu un contrat de 52 milliards. And the man came and testified. I'm the one that prophesied. C'est moi qui avais prophétisé. He was talking about something, but when I was talking, I saw white men coming in from abroad
to give him a contract that will shaken him. I told him, man of God, that one is after a big pray for this man company now. I want things to work now. He did not believe. Il n'a pas cru. Suddenly, he didn't make 1 month. The whites came in. Les blancs sont venus from America. De l'Amérique. Because the man is dealing with oil drilling. Parce qu'il fait avec l'huile. Le pétrole. Drilling. Petrol. Le pétrole. And suddenly, the contract was signed. Le contrat était signé. And sealed. Et c'est lui. 5 billion was already fired into his account. 5 milliards avaient déjà été envoyés dans son compte. The man came stumbling. Il est venu en tremblant. Stumbling. Il tremblait. Man of God, can I handle it? I said, God, I gave you the contract, will make you handle it. Est-ce que je peux gérer ceci? J'ai dit, c'est lui, Dieu qui t'a donné le contrat, va gérer pour toi. And was expecting me. Et il attendait. Come with the seed. Viens avec la semence. Amen. Come with the. I did not tell him to come with any seed. Je ne lui ai rien dit. Vous venez avec cette semence. But you know what? Mais savez-vous till today, jusqu'aujourd'hui, I have never seen that man again. Je n'ai plus jamais revu cet homme. But that is not where my blessing will come from. Ce n'est pas de là que le bénédiction vient. Not the man you are praying for, that your blessing will come from him. God is God, he will give you the way he wants at any time. Je l'ai dit, il va vous donner comme il veut à tout le monde. À sa manière. Sister. Sir, don't be you pray that sister get that contract for 30 million. N'est-ce pas, c'est vous qui avez pris contrat de 30 million. Satan minister, you don't have a car. Satan look de minister, at your house. Tu you n'as pas de voiture. Look, people, look, 30 million is in the hands of that woman. Alors qu'il y a 30 million dans la main de cette femme. Hi, you are just a fool, eh? How will you grow? Tu all these administrations from the pit of hell. Toutes ces administrations viennent du puits de l'enfer. I tell you. Je vous le dis. Prophesy to her. Prophétisez-lui là. Give him the seed in the Bible now. Même la semence de la Bible. Comme le seed de la Bible. Pas la semence dans la Bible. De prophétiser concernant la semence. You just wait midnight. Vous allez attendre minuit. You call her sister. Vous l'appelez sœur. I am just some hot prophetic prayer now. Je suis une prière prophétique chaude maintenant. And the Lord says. Et le Seigneur dit. If you don't sow a seed of 10 million from that 30 million. Si à partir de cette 30 millions, je ne sais pas. The next morning is your corpse. Le prochain matin, ce sera ton corps. Sister will calculate if I give 10 million and enjoy 20, I will die alive. La sœur va calculer si je donne 10 millions et je garde 20 millions, je resterai en vie. How do you want him to carry 10 million in the night, come and give? Comment veux-tu qu'elle porte 10 millions et qu'elle vient te le donner la nuit? Sister will be begging that please let day even pray to your God, let day even break and la sœur va donc supplier. Prie à ton Dieu pour que je puisse me venir le matin. Hein? Et je ne sais pas. N'est-ce pas ici? Morning time, he carried 10 million, come and give you. Le matin, porte 10 millions, viens te le donner. I've never touched even 1 million with your hand. Tu n'avais pas encore tout. Then come, it will bring you to the table and destabilization. Et maintenant, ces 10 millions vont venir te déstabiliser. Yes! You were humble. But as 10 million come, mais quand les 10 millions pride will follow. L'orgueil va and pride destabilizes your presence in God. Et l'orgueil qui déstabilise ta présence en Dieu. You needed to go gradually. Tu devais aller progressivement. God trains you and give you peace. Dieu t'a entraîné. Yeah, I'm talking this because the church needs to be well in this Bafoussam. Je dis ça parce que l'église doit être bien dans ce Bafoussam. And in the West region. Et dans la région de l'Ouest. There is this war and race yes, for material as the church today is concerned. Concernant l'église aujourd'hui. Amen. Amen. I started ministry. J'ai commencé le ministère. 1 year and some months. Un mois et. No tithes, no offering. Pas de dîme, pas de front. God was training me for this new revival to take it to the church. That men of God should learn to be divinely depending on Holy Ghost for provision. Apprenez à dépendre au Saint-Esprit pour le Saint-Esprit pour la provision. Don't look at the tithes in the church. Don't look at the offerings. Those are physical way of looking at blessing. Voici les choses physiques. Comment regarder aux bénédictions? Wait unto the Lord. That is when you carry big. Attendez le Seigneur, c'est là où vous allez recevoir gros. The church is in your work. L'église, est-ce que c'est bon ce travail? Is it your work? Est-ce que c'est bon ce travail? Why do you love somebody's work more than him? Pourquoi aimez l'œuvre de quelqu'un plus que cette personne? If you love God's work more than God, si vous aimez something wrong with you. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Why do you want to sponsor God's work more than the way you want it to be sponsored?
sponsoriser l'œuvre de Dieu plus que le fait qu'il veut something la sponsoriser. Quelque chose a mal. God is perfect in sponsoring his project. Dieu est parfait lorsqu'il sponsorise son projet. Amen. Tell your neighbor, God is perfect. Dieu est parfait. In sponsoring his project. En sponsorisant son projet. Wait unto the Lord. Attendez le Seigneur. And you live in perfection. Et vous allez vivre dans la perfection. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Jesus. Jésus. Is the only way. Est le seul chemin. Je dis en français. Jésus Christ est le seul chemin. La vérité et la vie. Laissez les gnangnang toutes ces choses-là et suivre Jésus-Christ. Hein? Non, femme-là. Hein? Avec quoi encore? Les têtes, les crânes. Il y a les gens qui ont amené les hôtels-là pour laisser. Amène les totems-là. Vous allez. Il faut laisser les totems-là. Il faut laisser quoi? Laissez les totems là. Je sais que le Seigneur a amené beaucoup de gens qui ont abandonné les totems et servi Jésus-Christ. Les totems n'ont jamais été la vie, la route, ou rien. Ils sont venus seulement pour vous détruire. Amen. Le crâne, c'est le chemin de Satan. C'est là seulement pour prendre vos vies et détruire. Il y a encore les gens qui servent le crâne chez eux. On te demande, tu as encore l'écran chez toi? L'écran. Quand on va prier, tu vas rentrer, l'écran encore va prendre tes bénédictions. On va faire comment? Tu as appris où? Oui, j'habite que je suis seulement en ville. Les crânes sont plus que les crânes. Est-ce que tu sais que c'est les crânes qui ont détruit ta soeur? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais c'est ce que je viens de te dire. L'autre. Il y a l'écran chez nous, pasteur. Dans une petite maison. Tu vois encore l'écran là? Je ne connais pas comment ça commence. J'ai seulement trouvé. Oui, mais tu vois encore qu'il soit là, on enlève. On enlève, non, on ne brûle même plus la maison. Abraham. Oui. Non. Demain, il y a une équipe Abraham pour l'enlever pour toi. Amen, amen. Peut-être le matin, tu viens. Oui. Ça avait aussi un arbre devant là. Ouais, on a les machines, ça. Merci. Amen. Amen. Nous, on a une équipe d'enlever le crâne. C'est quoi? La femme, tu veux quoi? Madame, c'est quoi? C'est le crâne, papa. Tu as enlevé le crâne? Oui, homme de Dieu. Montre-moi. Dis-le-le. Elle ne va plus le dire là. Jésus-Christ. Enlevez. Ça ne va pas sortir. Coupez. Au nom de Jésus-Christ, pour la crainte, tout va sortir. Filme. Attends. Filmez d'abord les gens, on voit si c'est un crâne. Regardez sur l'écran, vous allez voir. Vous avez vu? Enlevez dans le sac, enlevez. Watch this. La personne qui était déjà mort depuis, non? Tu vois? Allez enlever les. Ouais. Amenez tous les crânes là, ils sont des vieux. Crâne. On veut juste l'envoyer dans la house. Madame! Pourquoi tu as décidé d'amener le crâne? Tu étais ici, hein?
Pourquoi tu as décidé d'amener le grand signe? Donc le grand signe nuit votre famille. Rien ne marche dans ma famille. Rien ne marche dans ta famille. Oui. Donc tu as décidé de laisser le grand. Ça c'était la tête de qui? Tu connais même la personne? Je ne connais même pas. Clap for Jesus Christ. Applaudissements pour Jésus Christ. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Bon. Tu n'auras pas d'autre Dieu que. Tous les totems là sur vous, c'est les dieux démoniaques. Toutes les maladies là que vous avez, les échecs là, l'argent perdu, tout ça là, c'est les totems que vous gardez chez vous. Même la donner au. Abandonnez ça. You can never succeed with those things in your place. Tu ne peux jamais réussir avec ces choses sur toi. I want a servant of God there to just take the names. Pour vous, c'est quoi? L'écran? Combien d'écran? Beaucoup même. L'écran? L'écran. Oh, where is this? C'est grave. Tous les esprits de cancer, on ne détruit ça par le feu. On ne détruit ça par le feu. On ne détruit ça par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus Christ. Amen. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus. Viens. Venez. Vous venez d'où? Hein? Tu te rappelles d'une histoire qu'un petit enfant était mort dans la famille? Oui. Oui. C'était une nouvelle qu'est-ce qui a bougé partout là-bas. Tout le monde était inquiété que mais qu'est-ce qui a tué de cet enfant? Tu te rappelles? Oui, pasteur. Oui, mais c'est les crânes, c'est les hôtels qui ont pris l'enfant. Tu m'as déjà dit ça? Non, pasteur. Voilà, c'est Dieu qui m'a monté, je viens de te dire. Merci, Seigneur.
Mais comme tu t'es présenté pour que la famille soit nettoyée, ne t'inquiète pas. C'est déjà bon. Merci Seigneur. Entrez, on est déjà ensemble. Demain, on va voir. Hein? Et ceux qui n'ont pas encore donné leur nom, tu peux venir ajouter. In Jesus' name. Ok. Il y a même un mamite là-bas encore. Enlève la tête là, viens. Enlève. Il y a un mamite encore là-bas. Watch this, people of God. Vous allez ceci comme les yeux. Tu es à Bafoussam, tu es à Douala, tu es en France, tu es où? Ton oncle va aller sur la tête là. Hey, Josephine, tu vas rentrer avec les mains vides. Josephine, l'esprit de ton ancêtre, j'envoie ça derrière toi. Toi, qui ton crâne est ici, voilà la viande, voilà l'huile rouge, voilà le sel. Suivez Josephine en France. Suivez. Toi qui souffres en ville pour manger rien. Ils sont là au village en train d'appeler ton nom sous l'autel et envoyer cet esprit-là derrière toi. Est-ce que c'est bon? Your time for deliverance has come. Le moment de ta délivrance est arrivé. Your time for deliverance has come. Le moment de ta délivrance est arrivé. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Levez pour tout le monde. N'importe où vous êtes, ça commence. Levez-vous. Vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Jésus-Christ nous a déjà libérés. Oui. Jésus-Christ nous a déjà libérés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus Christ. Toi, cette crâne-là. You disco. Je te désarme. I disarm you. Je brise toutes tes puissances. I break all your powers. Appelle le nom de ta famille. What's your family name? Famille c'est Forze. C'est Forze. Voilà. C'est encore moi. Yeah. Soyez libéré. Be free. Soyez toi crâne. You score. Comme l'eau dans son si te touche. As this anointed water is touching you. Part en enfer, tu ne rentres plus dans cette famille. You go to hellfire, never you come back to this family. Votre famille est libérée au nom de Jésus. Your family is free in the name of Jesus. Portez, ça devient seulement l'os. Il n'y a rien là-bas. It become empty bone. C'est seulement l'os maintenant. Il n'y a rien là-bas. It is only empty bone. There's no meat. Dégage, tu peux pas en rebarder. Prenez ça, allez brûler. Merci Seigneur Jésus. Father, you give me life, I thank you. Hallowed be your name forever. Father, you give me life, I thank you. Hallowed be your name forever. Father, you give me life, I thank you. Lift up your hand, you repeat this prayer of repentance after me. Say, Lord Jesus Christ, I know I am a sinner. I have sinned against you, Lord. Come into my life. Wash me, Lord, with your precious blood. I repent today to sin no more. Lord Jesus Christ, I believe you are the only Son of God. You came to this earth. You died on the cross of Calvary. You were buried. You resurrected from the dead. And you are alive today. Come into my life. Wash me, Lord, with your precious blood. Lord Jesus, I declare that you are my personal Lord and Savior. That you are my God. Come into my life. Be in my life. As from this moment until the end time comes,
and you come again, Lord Jesus. In your mighty name, Lord Jesus Christ, I pray. Amen. You are all welcome to the kingdom of our Lord Jesus Christ in Jesus' name. Love for Jesus Christ. Love for Jesus Christ. Love for Jesus Christ. Amen. Amen. First thing, premier commandment. I am seeing some women. Je vois certaines femmes. You are sleeping and having dreams. Vous faites du sexe dans les rêves. I want to align you, align yourself. J'aimerais que vous alliez s'il vous plaît. Faster. Rapidement. Ushers, align them well. Que les usiers les alignent. Please, gradually. S'il vous plaît, progressivement. I want the first 30 here. J'aimerais les premières 30 personnes ici. Vous tous ici. Qui Seigneur Jésus-Christ? Tout homme. Vous n'êtes pas engagé. Si vous n'êtes pas engagé, Dieu ne serait pas engagé avec vous. Vous êtes engagé qui est la liberté. Parlez donc avec l'autorité. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jesus Christ. Cet homme spirituel. That spiritual husband. Qu'on a envoyé. That same. Est venu coucher avec moi. To come and sleep with me. Tous les nuits. Every night. Tout le temps. All the time. Faites ton feu. Let your fire. Les arrête. Arrest them. Et les brûler. And break them. Et les briser. And break them. Prenez, priez, priez, priez ici. Make that prayer. Vas-y, vas-y, vas-y. Your spiritual husband, cast fire. Come and this spiritual powerful. Cast fire. Fire fuel. Cast fire. Fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Restez connectés, restez connectés. Fire! 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 Fire!
Le feu sur tes cheveux là. Le feu. Qui es-tu? Je suis ton oncle. Hein? Je suis ton oncle. Tu es ton oncle? Oui. Yes, vite. Envoyez le feu ici, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Qui es-tu? Je suis ton oncle. Qui? Je suis ton oncle. Hein? Je suis ton oncle. Tu es son oncle. Oui. Tu es en tête dans elle, pourquoi? Je veux la détruire. Tu veux la détruire? Oui. Elle fait quoi ici? Elle fait quoi où? Maintenant, quelles sont les choses que tu as fait dans la vie de cette fille? Je veux détruire, empêcher le mariage. Tu as empêché le mariage? Oui, je veux détruire ses enfants. Tu veux détruire ses enfants? Oui, elle devait être loin. On te oui, j'empêche son grand frère de l'aimer, de l'aider parce qu'il a l'argent et il met trop le. Tu empêches son grand frère de ne pas aider cette femme? Oui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle prospère. Comment tu fais pour empêcher le grand frère? Arrête! Comment tu fais pour empêcher le grand frère? Je prends son argent, je pars dans les lieux sacrés. Tu prends l'argent de son grand frère? Oui. Tu pars dans les lieux sacrés? Oui. Et tu fais quoi? Je parle contre lui, je verse lui. Les lieux sacrés, c'est lesquels? C'est au village. Et sur les lieux sacrés, il y a quoi là-bas? J'ai un gros serpent. Tu as un gros serpent là-bas? Oui, en bas de l'arbre. En bas de l'arbre? Oui. Donc tu pars en bas de l'arbre, tu fais quoi? Je fais les sacrifices, je fais ce l'huile. Tu fais l'huile, tu fais ce l'huile rouge. Oui, et je prends l'argent de son grand frère pour quand tu fais. Tiens, suis, tiens. Combien bon, voilà, est-ce que vous comprenez maintenant? Are you getting voilà, les, voilà les lieux sacrés là que je disais. Dis ça, les sacrifices, ça tombe là. Voilà un oncle qui est au village. Yes, un oncle qui ne veut pas quelqu'un qui est en ville qui prospère. Il doesn't want somebody in the town to prosper. Montre exactement comment quand tu passes sur ton lieu sacré là, tu fais ombre. Montre-lui, fais. How do you do when you go in this? Mando, comment tu fais? Je pars au marché, j'achète. Hein? Je pars au marché, j'achète lui. Tu pars au marché, tu achètes lui. Avec la poule, avec l'argent que son frère m'a donné. Avec la poule, avec l'argent que son frère t'a donné. Oui. Oui. Dieu sacré. Quand il finit, il me donne le whisky. Souvent, il me donne le whisky, je parle, je verse, je parle. Tu prends le whisky qu'on t'a donné. Oui, j'écrase. Qu'il ne peut pas aider ses soeurs, ni ses frères. Personne. Ils vont souffrir. Et celle-ci est partie dire que quoi un certain ou c'est Dieu ou c'est quoi, je me suis implanté dans elle pour la détruire. Tu t'es implanté dans elle? Oui, pour la détruire. Pour la détruire? Oui, je la détruis. Qui t'a donné la puissance? Tu as puissance où? À la chefferie. À la chefferie? Oui. Quelle chefferie? Par mon goût, je suis l'un des neuf notables. Tu es l'un des neuf notables? Oui. Et la bonne bonne notre bonne 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 bonne. Tu es la panthère. Oui. Tu es la panthère. Oui, j'ai la panthère. Tu utilises la panthère pour faire quoi? Avec le serpent. Tu utilises la panthère pour faire quoi? Pour tuer mes enfants, j'ai tué mes propres enfants. Tu as tué tes propres enfants? Oui. Tu as tué combien? J'ai tué ma première fille. Oui. Tu es la deuxième. Deuxième. J'ai tué la troisième. J'ai tué la troisième. Aucun de mes enfants ne peut prospérer. Non, non, donc prospère. Ton nom c'est qui? What is your name? Pardon. Ton nom c'est qui? Cher. Charles, ton nom c'est Charles. Oui. Donc tu es l'oncle de cette fille. Éloigné. Éloigné. Oui. Oh. Son oncle éloigné. Donc tu es l'un des neuf notables de. Oui, je suis assis. Quand le chef s'assoit, je m'assois. Tu t'assois. Je n'enlève pas le chapeau. Tu n'enlèves pas le chapeau. Oui. Pourquoi? Cette femme dit que c'est Dieu. Tu n'enlèves pas le chapeau, pourquoi? C'est nous qui commandons le chef. C'est vous qui commandez le chef. Oui. Vous commandez le chef comment? Il ne fait pas ce que nous on vend la pluie. Pas comment? Avec nos prêts, on a son totem. Vous avez le totem de oui, chef. On le tue. Maintenant, oui. C'est vous, vous êtes la commune dans votre groupe de sorcellerie? Nous sommes neuf. Neuf? Oui. Dans votre groupe de sorcellerie, vous faites quoi aux villageois? What are you doing? On est des gens, on enlève leur pouvoir. Tu viens nous donner l'argent, on sort l'argent sur cet argent pour t'anéantir. Donc, quand tu veux, quand un villageois de ce village de quoi? Un village? Village Bamungum. Donc quand un Bamungum vient, when the Bamungum comes, il vous donne l'argent. He gives you the money. À la chefferie. Oui, c'est tout. En disant qu'il veut aider la chefferie. Oui. Vous prenez un parti de cet argent. Oui. Vous faites quoi avec? On va faire les sacrifices pour les détruire, les anéantir. Les anéantir. Oui. Ok. Bamungum est vrai. Ici là. Ok oh. Vous voulez comprendre le secret de Bamungum? Est-ce qu'il y a les gens de Bamungum, monsieur? Mettez les mains en haut, les gens de Bamungum. Ok. Maintenant,
Ça veut dire que quand un élite de Bamungun vient à la chefferie, il vous donne l'argent. Vous prenez un parti. Quand l'élite de Bamungun, quand l'enfant Bamungun se lève, je fais l'effort pour toucher ses 5 francs. Tu fais l'effort? Oui. Pour toucher ses 5 francs? Oui, même si c'est son vent qui me donne, pour ne pas boire le tout et gagne le reste, je m'en vais au village. Tu t'en vas au village? En bas de l'eau. En bas de l'eau? Près de quelle l'eau? Quelle eau? Le serpent. Ah, donne le nom de l'eau là. C'est derrière ma maison. Derrière ta maison? Oui. Ta maison est où ici là? À Bamungun vers l'aéroport. Vers l'aéroport? Oui. Où là-bas exactement? Décris. Où là-bas? Tu sais que tu ne peux rien faire. Tu sais que tu ne peux rien faire. Décris là-bas! Qui t'envoie ici? Tu ne peux rien faire. La puissance qui est ici te dépasse. Tu as rien constaté. Décris là où ta maison est. Vite. Après l'aéroport. Après l'aéroport. Oui, on prend 200, on arrive chez moi. Locataire, l'endroit on appelle ça quoi? Bassé. Un endroit qu'on appelle Bassé. Hein? Bassé. Donc, monsieur Charles, tu as Bassé? Oui. Hein? Oui. Ok. Pardon, mais délivrez ma langue. Charles qui? Il va me tuer. Charles qui? Donne l'autre nom. Charles qui? Singe. Charles Singe. Au village, on m'appelle Nzonga Mejou. On t'appelle quoi? Nzonga Mejou. Nzonga Mejou. Nzonga Mejou, ça veut dire quoi? Mange quelqu'un, il te voit. Ça dit quoi? Le nom de la personne signifie mange-moi, je te vois. Oh. Djonga Mejou. Tu vois Djonga Mejou, on va voir. J'ai tué sa mère. Tu as tué sa mère? Oui, j'avais tué sa mère. Voulant ramasser cette enfant. Mais celle-ci est têtue, elle est têtue, elle me déteste. J'ai préféré m'implanter en elle. Tu as préféré t'implanter en elle? Oui. Tu as déjà fait combien de temps dans elle? 10 ans. 10 ans. Juste après la mort de sa mère. Juste après la mort de sa mère? Oui. Maintenant, votre groupe fait quoi entièrement au village? Donc les activités que vous faites exactement? Nous sommes presque tous morts. Oui. Tu es encore vivant? Je suis vivant. Ce sont mes gens qui sont morts. Nous restons deux maintenant. Pourquoi vous laissez seulement à deux? Ils n'ont pas pu faire ce qu'on avait à faire. D'autres sont morts. Je suis là. Parce que je profite encore de la famille de cette fille. Je vais les détruire, les déstabiliser. Donc qu'est-ce qui vous fait que vous ne mourrez pas? C'est quoi? Le sang électrique que nous partons toujours verser, je ne saute jamais. Même si je dors en famille, mon crâne, mon serpent mange. Même si tu dors en famille, ton serpent doit manger. Vous voyez, les sorciers ne dorment pas. Aïe, je préfère tout sacrifice. Je préfère tout doigt. Il préfère sacrifice. C'est fire. Dis-le. Fire. Qu'est-ce qui arrive à ton serpent? Le feu! Le feu! Ton panthère là, tu utilises pour faire quoi? Panthère, commence à manger. Panthère, commence à manger. Vite! Panthère, marche vite! Marche vite, panthère, commence à manger. Panthère, marche! Marche vite, panthère!
Tu utilises le panthère là pour faire quoi? Effrayer et détruire. Pour faire quoi? Effrayer et détruire. Tu effraies les gens à quelle heure? 22h. Mais 22h. Les gens en route, tu les effraies où? En route sur les arbres, quand ils mangent. Quand ils mangent? Je verse les fumiers rouges. Tu verses quoi? Les fumiers rouges. Le fumier rouge? Oui. Il peut faire quoi chez les gens? Ça mange, ça donne les gales. Ça mange quelque chose, ça donne les gales. Oui, les démangeaisons. Oui, aux gens. Aux gens. Et quand ça donne ça, qu'est-ce qui arrive? Après, il meurt. Après, il meurt. Les gens de Bamungo, vous comprenez comment on vous tue, non? Aïe, elle est là, qui est au Bamungo. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Appelez le nom de chef de Bamungo, vite. C'est qui? Fosokanke Jacques. Qui? Fosokanke Jacques. Fosokanke Jacques. Hein? Oui, c'est son nom. C'est le nom de chef. Oui. Il est où? Il a la chevelure Bamungo. Papa, sur la route de l'ancien marché, après le carrefour Tcham. Tu dis que tu utilisais tes pouvoirs pour anéantir le chef. Devant moi, il ne peut pas parler forcément. Quoi? Parle. C'est nous qui lui contrôlons. Les autres notables peuvent enlever le chapeau, mais pas moi. Les autres peuvent enlever le chapeau, mais pas toi. Oui. C'est nous qui contrôlons le chef. Nous avons les totems. On contrôle le chef. Vous avez les totems, vous contrôlez le chef. Tous les totems là, ça va finir aujourd'hui. Dans le village de Bamungo, tu as encore atterré les totems où? L'autre près des coups d'eau. Où? Appelez Féchion. Appelez où? Féchion. Les femmes viennent là-bas faire les sacrifices pour leurs enfants. Les femmes viennent où? À Féchion. Oui, ils versent l'huile. Féchion, c'est où? Pour partir de l'autre côté de Nefo, un quartier qu'on a. L'autre là connaît. Féchion, c'est à côté de chez monsieur. Joga monsieur. Ok, tu connais le monsieur Joga monsieur? Je le connais, il a même tué la femme de mon. De ma. Voilà. Et là, tu es quoi? Viens. La dernière femme de qui? De ton grand-père. De ton grand-père. Oui, le nom de ton grand-père, c'est qui? Mais de faire un tempo. Pardon, n'appelez pas tous les noms là. Appelez. C'est quand je vais attraper un peu. Ben, n'y a pas de chocolat pour protéger. Ah, oui. C'est grave ici aujourd'hui. Pardon. Ah, c'est un temps bien. Oh, quand je tombe. Petit frère de mon père, il a tué. Même la femme? Oui, la femme du petit frère de mon père, Chongante, il a tué. Chongante? Oui. Qui a tué Chongante? C'était ma fille. Hein? Sa femme, c'était ma fille. La femme de qui? Chongante, je l'ai tué à Yaoundé. Tu as tué où? Elle était mariée à Yaoundé, je l'ai tué avec la complicité de son mari. Oui, oui. Il était où? À Yaoundé. À Yaoundé? Ah mm-hmm. Ah. Le secret de Bamungo est dehors. Le secret de Bamungo est dehors. Hey, alors, tu as encore le totem où? Le totem, il avait appelé le nom de quoi? Féché. Oui, le totem, tu as gardé ça où? Féché, ma panthère réside là-bas. Bah, ma panthère. Les cyclones. Tu as gardé le totem où? Féché, ma panthère là-bas. Féché. Oui, ma panthère. Ton panthère là-bas. En bas du champ de la fissure. En bas des champs. Maintenant, oui. Les femmes viennent faire les sacrifices là-bas. Oui, quand ils partent verser l'huile, nos esprits sortent léchés. Tout ce qu'on verse là-bas, la panthère, c'est pas des autres de mes amis. Même l'eau qui descend, c'est lavée à l'intérieur, nous sommes dedans. Même dans l'eau là, vous êtes dedans. Oui. Quand les gens viennent verser l'huile là, hein, vous léchez, qu'est-ce que vous faites?
on ramasse leur pouvoir pour augmenter pour nous. Vous prenez leur pouvoir, oui. Leur chance, oui, pour augmenter pour vous. Ils se lavent. Quand ils entrent dans l'eau, ils se lavent. Nous prenons après tout leur pouvoir dans l'eau là. On va manifester avec. Vous prenez les chances, leur pouvoir. Oui. Vous partez manifester avec. Oui. Donc quand ils entrent dans l'eau là, vous êtes là, vous le voyez. Nous sommes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. Le nom de l'eau là, on appelle ça quoi? Fraîche. Fraîche. Un lieu sacré. L'eau de fraîche. Oui. Donc on peut faire les sacrifices là-bas. Oui, on fait les sacrifices. C'est un grand lieu sacré pour les Bamungu. C'est un grand lieu sacré pour les Bamungu. Oui. C'est vrai. C'est un grand lieu sacré pour les gens de Bassé. Bassé. Ils viennent faire les sacrifices là-bas. Ils font les sacrifices là-bas. Oui. Les femmes de là partent là-bas pour faire les sacrifices. Le chef de Bamungu a combien de femmes? Plus de 100 femmes. Le chef de Bamungu. Oui, Dali. Plus de 100 femmes. Qu'est-ce que tu as fait chez les chefs de Bamungu, les femmes de Bamungu? Non, je n'ai pas encore atteint le niveau. Tu n'as pas encore atteint le niveau là. Donc, tu connais le monsieur là? Hein? Oui. Tu connais? Oui. Il y a quoi encore qui est arrivé dans la famille? Bon, moi je ne connais, je sais seulement qu'il a tué la Tu voulais dire quoi? Non, je sais qu'il a tué ma mère. Il a tué ta mère? Oui. Ta mère c'est qui pour le monsieur là? Le nom que de qui? C'est ma mère. Appelez le nom de personne qu'on a tué, c'est qui? Nzonga, monsieur. C'est Nzonga, monsieur qui a tué. Qui a tué qui? Madame Kone Jean. Madame Kone Jean. Qui a tué Madame Kone Jean? C'est moi. C'est toi. Je l'avais trompé de couper un arbre mystique en bas de sa concession. Tu avais fait quoi? Je l'avais trompé de couper un arbre mystique en bas de sa concession. C'est là où le totem de plusieurs Bamungu se cachait. C'est là où on a paralysé les pieds. On l'a paralysé les pieds? Oui, après on l'a jeté un sort. Un sort? Oui. On l'a jeté maintenant un sort, elle est morte. Oui. Elle était d'abord paralysée les pieds. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'arbre qu'elle était partie couper. C'est ça qui l'a paralysé. Ça avait d'abord paralysé. Oui. Et puis, on l'a lancé dans le sol, elle est morte. Oui. Tu as compris, mon? Tu as compris donc ce qui est arrivé. Faux! Mettez-vous! Debout vite! Ton panthé là, on détruit ton panthé là par le feu. Par le feu! 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 Mettez-vous! Debout vite! Mettez-vous! Vite! Ici là, vous travaillez avec d'autres rayons. En dehors de Chéphérie, vous travaillez avec d'autres rayons. Je suis dans la sorcellerie de Chéphérie Bamungu. Tu es dans la sorcellerie de Chéphérie Bamungu. Babi, nous sommes là-bas. Hein? Chéphérie Babi, nous sommes là-bas. Chéphérie Babi. Babi, nous sommes là-bas, c'est nous qui contrôlons. Chéphérie Babu, c'est où? Babi. Tu connais la Chéphérie Babi? Oui, prophète, c'est un village environnant. Babi. Vous faites quoi là-bas, Chéphérie Babi? Nous commandons le chef parce que c'est nous qui l'avons installé. Nous avons pris votre autorité dans ce village. Oui. Nous allons faire de la même chose qu'on a fait à Bamungu, à Babi. Aucun Babi ne peut prendre autorité sur nous. Oui. Oui, parce que c'est nous qui sommes assis sur le trône là-bas. Oui. Quels sont les vos lieux sacrés là-bas à Babi? En bas de la chefferie où on danse les danses traditionnelles, nous sommes là-bas. Le nom des danses traditionnelles, c'est quoi? Il y a la danse qu'on sort pour les traditions, quand le père meurt. Le nom de cette danse, on appelle ça quoi? Je ne connais pas dire en français. Parle en patois. Parle en patois. Je ne suis pas trop initié dedans parce que je n'ai pas l'argent. Tu n'es pas trop initié dedans parce que tu n'as pas l'argent? Parce que je n'ai pas l'argent. C'est les gens qui ont l'argent. Qui entrent dedans. Qui entrent dedans? Oui. Hein? Un écran. Oui, c'est ce que je connais. Elle est quand? Que je suis dedans. Que tu es dans? Tu es dans, elle est quand? C'est moi qui initie les enfants pour le Nekan. Le reste, je n'ai pas l'argent pour aller initier. Donc, tu inities les enfants pour le Nekan? Oui. Tu connais le Nganga? Tu connais Nganga? On appelle chez moi Nekan. Nekan. Le Nganga, c'est dans Balin et dans Bafoussam. À Bamungu, on appelle ça le Nekan.
Et ils ont même déjà organisé le festival. J'étais à la chefferie l'autre jour, j'ai vu. Ils ont organisé un festival pour ça en mai. Le festival là, c'est pour faire quoi? Lors de ce festival, vous faites quoi? On verse le sang. Vous faites quoi? On verse le sang. Expliquez comment vous versez le sang. On part dans les lieux sacrés. Oui. Avant, on tuait un homme dans notre village, mais le chef a banni. Quoi? Avant, on tuait un être humain, mais le chef a banni. Mm-hmm. On verse plus de choses. Plus les chèvres, les bœufs. On va initier ça là-bas. C'est comme ça qu'avant, les danses. Quand tu verses, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger les alentours, pour que d'autres mauvais esprits n'entrent pas. Celui qui ne verse pas l'argent suffisamment est notable, on prend un membre de sa famille, soit ses enfants. C'est pourquoi en ce moment, pour manger le tarot chez vous, il faut faire trop de précautions. Pour manger le tarot chez vous, ce moment-là, oui. Il peut faire quoi? Il faut prendre trop de précautions parce qu'il faut d'abord que nous goûtons avant que les autres membres mangent. C'est vrai, prophète. Oui. Chaque fois, et même chaque fois qu'ils vont faire ça, les notables ont l'habitude de tuer leurs enfants mystiquement. Clap for Jesus Christ. We cannot come in the place where making crusade and the heights they cannot hide. That is how God is. Clap for Jesus Christ. C'est comme ça que vous connaissez un prophète de Dieu. Je venais de le dire ici par le message. Et le Seigneur a arrêté. Et voilà le secret qui est dehors. Clap for Jesus Christ. Tu ne connaissais pas qu'il y a un croisade qui est arrivé. Tu ne connaissais pas qu'il y aurait un croisade ici là. Elle a empêché de venir fatiguée. Elle était avec un monsieur aujourd'hui. Il était en noir. Le monsieur ne dirigeait pas ici. Je ne sais pas pourquoi on m'expose. Tu ne sais pas pourquoi on t'expose. Oui. Je l'ai caché depuis. Je ne voulais pas. Elle a empêché, elle a fatigué. Pourquoi elle ne vient pas? Hier, elle n'est pas venue. Mais aujourd'hui, le monsieur s'est déporté. Ils sont venus ensemble. Tiens, pasteur. Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est par toi que tu as amené cette femme ici. Oui, c'est bon. Tu as forcé seulement. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Donc, tu ne voulais pas qu'elle vienne ici, pourquoi? Parce que depuis, elle voulait prier, je l'empêchais, je l'appuyais. Tu as vu quoi ici que tu ne voulais pas qu'elle vienne ici? Elle voulait m'exposer, et je suis déjà exposé. Uh-huh. Moi, je dois me détester. Le village est dans c'est quoi? Me détester, j'ai mal au pied. Tu as mal au pied? Oui, cette fille a d'abord fait m'a cassé un pied. Maintenant, elle m'expose en scandale. T'expose en scandale? Mon véritable problème était de lui tuer. De tuer qui? Cette fille, que je suis en aide. Okay. Et qu'elle nous tue. Tu as déjà tué combien de gens? J'avais même tué le bébé dans son ventre. Uh-huh. Oh. Tu as fait comment pour tuer le bébé là? J'avais tué le bébé mystiquement. Dans pas comment? Quand elle était de son ventre, j'ai appuyé l'enfant, il est mort. Tu es venu la nuit? Oui. Appuyer son ventre? Oui. L'enfant est mort? J'ai tué l'enfant. Uh-huh. Avec mes esprits. Avec tes esprits? Oui. Parce que je contrôle depuis le village. Tu contrôles depuis le village. Oui. Pourquoi tu ne contrôles pas ici maintenant depuis le village? Ça me dépasse. Ça te dépasse. Attendez, vous allez comprendre que la puissance de Dieu, depuis que je vous dis, ça dépasse toutes ces choses-là. Peuple de Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est la seule puissance qui est propre. Maintenant, qu'est-ce qui est ici que tu vois? Quand tu dis que ça te dépasse, tu vois quoi? Feu. Tu vois quoi? Le feu est un monsieur qui est fort. Tu vois qui? Un monsieur fort. Il est comment? Le voilà devant moi. Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est comment? Fort. Tellement grand. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là-bas, vous voyez le feu aussi? Il voit, non? Parce que c'est spirituel. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois le feu de cet esprit qui est ici. Tu vas seulement dire que Dieu est vivant. Ce n'est pas par ma force. C'est Jésus-Christ qui fait tout ce que vous voyez là. C'est pour vous montrer que Jésus-Christ, notre Dieu que vous comprenez là, il est bien et bien vivant. Clap for Jesus Christ.
Clap for Jesus Christ. Clap for Jesus again. Dans le festival, il y a Nankan. Pour tuer les gens. Oui, on tue les gens. Mais pour clôturer, on tue. Mais pour clôturer. On tue. Pour clôturer comment? Pour clôturer, soit on tue les femmes qui sont enceintes, les avortements. Certaines de nos femmes sont enceintes, les enfants disparaissent, elles partent à l'hôpital, on ne trouve rien. On prend le sang frais, parce qu'il faut que la finition soit grandiose. Oui, le chef n'y connaît rien, c'est pour les notables. Le chef n'en connaît pas, c'est vous les notables. Oui, c'est vous qui prenez l'autorité sur tout. Est-ce que tu sais que le chef aura, il va connaître toutes ces informations? Je suis déjà exposé. Donc, dis alors tout ce que tu as fait. Dis tout. J'ai tué. Tu as tué qui? J'ai une femme chez moi, elle n'accouche pas. Une autre qui a un enfant. Il y a les autres qui partent chez Marabout pour leur corps. Je n'ai pas bien par les athènes, mais j'annule la puissance que les enfants pouvaient évoluer. Les enfants deviennent rien. Ils ne peuvent pas aller loin. Mais s'ils ont dit, frère, viens me donner. Mais ce n'est pas tes propres enfants. Parle. Il fallait que j'aie le pouvoir, la chefferie. Donc ton problème, c'est le pouvoir de chefferie. Oui, j'avais succédé mon père. Même si tes enfants sont les Mongolais, ce n'est pas ton problème. Oui, mon problème, c'est le titre et le nom. Parle au toi. Mon problème, c'est le titre et le nom. La fille m'a exposé. Maintenant, tu as encore fait quoi dans la vie des chefs? Nous contrôlons le chef. Nous nous contrôlons. Donc quand on parle, il comprend à nous. C'est ce qui se passe. Parce que son totem, tout, c'est nous qui contrecalons. Mais le totem des chefs est où? C'est en brousse. Où en brousse? Dans quelle brousse? En bas de la chefferie. On appelle l'endroit que quoi? Près de l'eau sacrée. Près de l'eau sacrée. Le nom, on appelle ça quoi? Hein? Neuf femmes, c'est l'eau là. Quoi? Et notre maison. Les neuf femmes, oui. C'est à côté de chez vous. Oui. Le totem de chef qui est là-bas, qu'est-ce qu'il y a sur le totem? Faut, parle lui. C'est le lion. C'est quoi? Le lion. Donc le chef a que le lion. Oui, il a le lion. Il a le lion. Oui. Entre le lion et le panthère, qui est le plus fort? Le lion est fort, mais la panthère domine par moment. Oui, nous avons nos stratégies pour dominer. Donc le chef utilise dans le lion pour faire quoi? C'est juste pour sa protection, pour gouverner. Ce n'est pas qu'il utilise pour faire du mal. Qui a donné le lion au chef? C'est les autres chefs. Les autres chefs. Parce que quand tu viens à la chefferie, si tu peux avoir un grand nom, si nous te détestons, on donne l'os humain. Vous donnez quoi? L'os de quelqu'un. À qui? Si je te déteste, tu viens chez moi à la chefferie, tu veux le nom. Tu n'as pas bien payé, je te déteste, je vais te donner. Fait, tu vas prendre l'os de quelqu'un, tu vas toujours donner l'être humain. Quand tu viens à la chefferie, tu veux un nom pour être un notable. Si je te déteste, je vais te donner l'os de quelqu'un. L'os là, tu prends on ça. On bande tes yeux, on dépose, tu prends l'os. Donc on bandait les yeux de quelqu'un. Oui, avec le tissu noir. Avec le tissu on noir. On dit voilà les os, choisis ta part. Oui, tu choisis. Si je te déteste, je fais tu prends l'os de quelqu'un. Et si tu m'as bien payé, je fais tu prends l'os de l'animal. Comme tu peux tuer facilement. Comme tu peux tuer l'animal facilement. Oui. Mais quand tu prends l'os de quelqu'un. Tu même s'il y a combien d'enfants dans ta concession, ta famille, tu ravages. Tu ravages. Tu peux sacrifier. Il peut sacrifier. Oui. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que mon père avait fait. C'est ce que ton père avait fait. Oui. Même le petit frère de mon père, c'est ce qu'ils ont fait. À chaque fois, le petit frère de mon père, les gens, ils donnaient que les gens. Comme elle disait qu'ils faisaient, qu'ils ont tué sa fille avec la complicité de son mari, qui était le petit frère de mon père. Ils donnaient que comme ça les gens. Clap for Jesus Christ. Les gens, vous avez des questions à poser. Avant qu'on chasse le monsieur ici, vous avez des questions à poser. Quelles questions venez? La personne qui tue le village de Bamungum est arrêtée. Donc, viens. Posez ta question. Il y a un carrefour là-bas appelé Carrefour Tchang.
Il y a là, c'est dans là-bas tous les temps, les yamno là-bas tous les temps. À Karifoucha, là-bas, vous avez mis quoi? C'est ça les bouddhas qui sont là-bas. Hein? Ce sont les qui? Les bouddhas. Donc vous le voyez? Ce sont les bouddhas qui sont là-bas. Nous sommes plutôt dans la nuit. À parler. Aimé? Vous dites que c'est les qui sont là-bas? Les bouddhas. Les esprits des bouddhas. Uh-huh. Oui, nos esprits restent dans la mifi. Ça reste dans la mifi? Oui, nos majorités restent dans la mifi. Nous ne traversons pas jusqu'à là. Tout le sang qui se verse, ce sont les bouddhas. Ce n'est pas nous. Ce sont les bouddhas qui versent le sang là-bas. L'eau là, après le carrefour, là, qu'on monte, qui tombe comme la chute là. Vous utilisez ça pour faire quoi? Oh, les femmes, les gens font les sacrifices. Nous sommes à l'intérieur. Uh-huh. Nous sommes là-dedans, dans la mifi. C'est là-bas que la majorité d'hommes de chez nous restent. Bafunda, Bamungum, ils sont là-bas. Uh-huh. Dans la mifi. Dans la mifi. Oui. Tous ceux qui partent faire les sacrifices, c'est à nous qui donnent. C'est à vous qui donnent. Oui. Quand ils veulent sacrifier, c'est à vous qui donnent. Oui. Quand on prend ça, on peut utiliser. Soit tu peux rentrer, on te rend rien, comme on peut te laisser prospérer parce que tu nous as donné ce qu'on voulait. Clap for Jesus Christ. Et une autre question? Oui. Ça c'est live et direct, hein? C'est en direct. Posez vos questions. Je voulais demander pourquoi au Carrefour Kena, juste à l'entrée qui sépare l'eau qu'elle a dit, Doumelon et Kena, il y a un grand père qui s'assoit toujours là-bas et quand il croise les pieds, il y a un accident là-bas. Ce que le grand-père là, c'est qui? C'est l'un de nous. Hein? C'est l'un de nous. De nous, de nous. De vous? Oui. C'est ça ne peut même pas être l'un c'est de nous. C'est lui qui fait le Nekan sortir de la maison. C'est lui qui a le dernier mot pour le Nekan. C'est le grand-père là. C'est le grand-père là? Oui. Qui a le dernier mot de Nekan? Oui. Il s'appelle qui? Denginya. Denginya. Oui. Rappelle le nom. Rappelle-toi le nom. C'est qui maintenant? Non. But there is a kingdom. Amen. I have not come here to kill somebody. I have not come here to do what? I came here for people to repent and give their life to Jesus Christ. Now, but there is a kingdom. They have been going around trying to bring thunder here. They started like that. They are struggling and struggling. Ils se forcent d'envoyer le tonnerre ici. They have been struggling and struggling. Ils ont eu là ici. But God, you don't joke with God. Non, mais on ne s'amuse pas avec Dieu. Ils sont là, ils font le tour. But if they continue, mais s'ils continuent comme ça, look, look around. Regardez autour. Are you seeing? Est-ce que vous voyez? Non, non, non. Ça fait les va-et-vient. It is because when they push the thing, c'est parce que lorsqu'ils poussent, it meets power, it cannot go. Ça rencontre la puissance, ça ne peut pas marcher. It meets power, it cannot go. Ça rencontre la puissance, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous voyez? But tell them to ask what happened in Pigi. Mais demandez-les de dire, demandez ce qui s'est passé à Pigi. Le tonnerre là qui va envoyer. C'est qui? Nous sommes en réunion maintenant. Tu dis quoi? Nous sommes dans la réunion maintenant. Allez, on te voit. Nous sommes en réunion, on voit tout ce que vous faites. Vous êtes en réunion? Oui. Où? Vous êtes en réunion où? À la chefferie. À la chefferie. Parce que l'un de nos membres a signalé le danger. L'un de vos membres a signalé le danger. La où? À la chefferie où? Voilà, on te voit. Nous, après la chefferie d'Amigo, nous sommes regroupés là-bas maintenant par esprit. Vous êtes regroupés là-bas maintenant par esprit. Pour faire quoi? Pour détruire cet endroit. Pour détruire quoi? Cet endroit parce que je suis votre. Je dis, comprenez. Hey, be quiet, oh. It is stop time. Be quiet. Please, be quiet. We are getting something different now. S'il vous plaît, soyons tranquilles. On ressent quelque chose de différent maintenant. Be quiet. Soyons tranquilles. Tu dis que vous vous êtes regroupés là-bas.
pour vous détruire, vous êtes sur nos terres. Cette terre, si la Bible dit que ça a été créé par Jésus-Christ. Vous n'avez jamais créé la terre. La Bible a été avait dit que le ciel et la terre a été créé par Dieu. Et vous n'avez pas un puissant. Et je suis envoyé par ce Dieu. Est-ce que vous comprenez? Are you getting? Vous avez fait puissant. Vous nous dépassez. Hein? Vous nous dépassez. Nous sommes autour du feu. Vous êtes autour du feu. Mon corps chauffe. Mon corps chauffe. Ok. La chaufferie. Bah mon goût, fais la main. Bah mon goût, fais la main. La réunion qui est la main. Fais la main. Maintenez-vous vite. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas dans la chevelure? Père, c'est plus fort que nous. Maintenez-vous. Maintenez-vous. Dites-le quoi? L'enfant qui m'a tué et qui m'a envoyé. Pas l'important, tu dis que quoi? Pas l'important. Mais là, tu amènes un chiao que tout m'a donné. Mais ne veut plus si, ne veut plus si. Ce qu'il a envoyé sur elle. Ce qu'il a envoyé sur elle, la dépasse. Qu'elle la dépasse. Ce qu'il a envoyé sur elle. Ne veut plus si, mais ne veut plus si, qu'elle est choisie. Même bien, même bien, même bien. Elle est finie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à la réunion maintenant? Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Oui. Oh, les voilà. Les voilà où? Elles tous tombent. Ouais. Bon bonjour. Oh, Hein? Chaque fois, je pars à l'église, tu m'as fini aujourd'hui. Ok, population, vous voyez pourquoi les chefs là, des villages, qui n'ont pas Dieu, et les notables là ne veulent pas qu'il y ait une église. Ils ne veulent même pas que vous partiez à l'église, parce que la puissance de Dieu qui est dans l'église dépasse ce qu'ils font là. Vous avez vu donc? Est-ce que tout le monde a vu? Prendre la seule chemin. Je venais de vous dire aujourd'hui. La seule chemin, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est quoi? Le chemin, la vérité et la. Vous avez fait quoi pour empêcher les églises dans ce bambou? Nous, on refuse à nos enfants d'assister. Vous refusez à vos enfants d'assister? Oui, même quand dans une église à bambou, on veut prier avec force. Nos esprits les anéantissent. Toutes les églises ici à bambou? Oui, par contre, la petite fille. Quand ils veulent prier avec la force? On les anéantit. Vous anéantissez toutes les églises ici là? On domine sur eux. Vous dominez sur eux? Mais l'autre ici m'a dépassé. Lève-toi vite. Debout. Aïe, aïe. Est-ce que vous entendez? Je suis venu ici, les hommes de Dieu ont dit que l'église, ça ne marche pas à Bafoussam. I came here, the men of God say church is not working in Bafoussam. Il y a les hommes de Dieu de Bafoussam ici. Hein? Où est l'autre? Ils sont où? Viens. Dans l'église, il y a combien de membres? Avant 20. À peine 20. À peine 20. Donc ça n'atteint pas 20. N'atteint pas. Tu comprends donc? Votre église va fonctionner. Amen. Si les hommes de Dieu comprenaient que voici ce qui est arrivé, au lieu de
commencer à faire ce qu'il fait, on devait mettre les têtes ensemble. Mais ça n'empêche pas ce que je suis venu faire. L'église va marcher. Tu dis que vous engendrez l'église, si vous faites comment? On part dans les lieux sacrés. Vous partez où? On part dans les lieux sacrés. Pendant qu'ils sont en train de prier, on fait pour nous. Sinon, pas leur confiance, il y a beaucoup qui partent dans les lieux, qui font après, ils retournent faire les coutumes au village. C'est pourquoi on profite par là pour les appuyer. On les appuie, on les détruit. Donc tout le monde qui fait la coutume, vous avez la main sur eux. On prend autorité sur eux. On prend autorité sur la tradition. Pourquoi vous n'anéantissez pas ce croisade? On peut m'en battre. Hein? Ça le dépasse. Car il y a quoi ici qui ça vous dépasse? Quand vous voulez faire votre chose là, ça vous dépasse. Il y a quoi? Hein? C'est fort. Hein? L'homme c'est fort. Jésus-Christ est fort. We are taking over the cities. This is the power that will liberate Cameroon. C'est la puissance qui va libérer le Cameroun. Ne vous inquiétez pas. I said this is the power that will liberate Cameroon. Je dis ça, c'est la puissance qui va libérer le Cameroun. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. We are gradually moving. Nous avançons progressivement. When they are defeated in the spirit like this, physiquement ils vont abandonner. We are going on, finally we'll go to Yaoundé. Nous allons faire la ronde, finalement nous allons atterrir à Yaoundé. So, vous faites quoi encore en dehors de Bamungu? Nous allons commander les autres villages. Hein? Nous allons commander, on mange plus parce qu'on voit que les églises empêchent les enfants de venir vers nous donner ce qu'on mérite. Que les églises empêchent quoi? Les enfants de venir vers nous et de nous donner ce qu'on mérite. Vous méritez quoi? Les sacrifices. Les sacrifices. Oui. Comme les quoi? Si un enfant veut se marier, ne vient pas vers moi. J'aime pas, j'annule son mariage. Tu annules pas comment? Avec les sacrifices. Le verse l'huile. Elle peut venir s'asseoir sur une chaise. Mon totem est en bas de la chaise. Ça prend son pouvoir. Ça prend. Dès qu'elle parle, le mariage, elle se gâte. Ça se gâte comment? Qu'est-ce qui va aller gâter? Je crée la confusion. Tu crées la confusion? Oui. Entre lui et l'homme. Oui. Si elle se marie, elle sera heureuse. Et je ne peux pas accepter. Parle à toi. Si elle se marie, elle sera heureuse. Je n'accepte pas, je dis non. Quand elle se marie, elle sera heureuse. Oui. Et tu ne veux pas. C'est tous ceux qui partent à l'église. Oui. Tu ne veux pas les gens heureuses. J'étais quitté dans la vie de la fille, il y a un temps, je l'ai un peu libérée, elle partait à l'église. Mais depuis un certain temps, j'ai vu un homme rodé qui va l'épouser. Je suis encore revenu entrer, ça ne fait pas deux mois. Oui. Pourquoi elle ne se marie pas? Oui, parce qu'un homme. Et on dit quoi? Il porte le noir, noir, il dit qu'elle va se marier. Je me suis assis chez moi, j'ai ri. Dès que t'as parlé, je vois. Hey, parce que t'as été prêt, tu dois comment va être. Et ce qui est passé, elle doit se dire. Maintenant, tu fais quoi encore aux autres? Donc vous n'aimez pas les gens qui sont heureux? Non. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis heureux. Toi, tu n'es pas heureux. Oui. Tu fais, avec tout ce que tu fais là, tu n'es pas heureux. J'ai succédé. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je pars dans les bars. Je pars dans les funérailles. C'est là où, si on ne fait pas les funérailles, il va manger quoi? Et tu fais alors toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que je veux boire, manger, avoir l'honneur. C'est tout. Avoir le nom. Et c'est tout. Oui. Tu ne sais pas que tu es un esclave. Ton corps est où maintenant? Pendant que tu parles ici, ton corps est où? Couché au lit, je amène ton corps ici. Tu ne sors pas pour venir ici. Viens physiquement ici. Tu ne peux pas venir. Hein? Ma copine, tu as. Que vous le dépassez. Non. Viens ici donner ta vie à Jésus-Christ. Les gens vont le rire. On se moquait de lui. Le pauvre a gâté son village. Jamais.
Ok, regarde ce que je vais commencer à faire. Je lance un code. Ça va t'attacher à la maison. Je vais commencer à te tirer, tu vas arriver ici. Alléluia! Hey. Tu veux ça? Tu as déjà vu la corde, non? Tu as déjà vu la corde? Je lance. Fire! Je lance la corde. Je. D'accord. Tu me prends quoi? C'est quoi? Je veux que tu viennes, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je vais sortir d'elle et laisser qu'elle marche avec moi, non, pas moi. Non, ce n'est pas toi qui commande. J'arrête d'abord ton cou. J'appuie. J'appuie ton cou. J'appuie. Tu vas voir ici pour s'amuser. J'appuie ton cou. J'appuie. Tu me parles de le bateau. Ouais, laisse ton cou. Laisse ton cou. Ouais. Ouais, Jésus. Tu vas venir ici. Parle. Monsieur, tu vas venir. Tu vas venir ici. Je vais venir avec mes pieds, mes mains. Oui. Tu vas venir. Oui. Commence à venir. Oui. Lève-toi, tu commences à venir. Oui. Commence à venir ici. Lève-toi, tu commences à venir. Tu as quel niveau maintenant? Tu as quel niveau? Kana. C'est la route. J'arrête d'avoir ton coup. Marche vite. J'arrête ton coup. Marche vite. J'ai appris ton coup. J'ai appris. J'ai appris. Thank you.
against you, my son. Thank you.
Bafoussam Crusade.